Vous êtes encore là. Et pourtant, je vous les ai déjà toutes faites, il me semble, dans ce Journey to the Savage Planet. Oui, 4e épisode, on y retourne pour de nouvelles aventures. Alors, on aura un petit peu tout eu, hein, déjà. On aura eu le premier épisode de la découverte totale. On aura eu le second épisode du LOL total. Oui, il faut bien l'avouer. Si vous devez en voir qu'un, ce sera celui-là, ce sera le second. Et on a eu le 3e épisode, plutôt qu'on intitulerait Mots et vertiges, je crois. Hop. Oui, moi aussi, je me lève, regarde, je touille mon café. Nouvelle journée, nouveau clone. Que peut-il m'arriver? Beaucoup de choses sur cette planète, donc je rappelle qu'on fait de l'exploration découverte, avec pour mission de ramener certains matériaux. Ah ouais. Avec les corps mous les plus séduisants de l'univers pour faire des rencontres discrètes et nébuleuses sans casse-tête garantie. Oh ouais. Compose le 1866 bleu. Seulement 2500 pour la première minute et 42 000 pour chaque minute supplémentaire. Ah, je n'y manquerai pas à ma prochaine séance de repos. Les taux transplanétaires supplémentaires s'appliquent, âge minimum de 622 synapses requis. Je sais pas, 622 INEPS, mais bon, personne ne le sait, c'est ce qui compte. Oh, du courrier peut-être. Oh yeah, regardez-moi ce blob. Trop onctueux pour être abandonné seul. Oh ouais. Oh ouais. Fini de déconner, on y va. Recherche extraterrestre, fragment de transmission numéro 1. C'est pas grand chose, mais c'est ce que j'ai envoyé au boss, et nul doute que lui et ses équipes parfaitement aware vont étudier ça de au plus près. Alors, est-ce que je me fabrique cette visière intelligente, qui me permettra donc d'être plus intelligent, bien évidemment. Allez. Oui, c'était plus esthétique que fonctionnel parce que je pense que cette visière va être magnifique. Et j'aurais pas l'air d'un cake du tout. On y go et on retourne sur la planète se faire une petite mission. Alors, qu'est-ce que j'ai d'actif? Inspecter la tour, continuer l'ascension tout simplement. Et fabrique le stabilisateur de grenade. Mais pour cela... ouais, peut-être que je trouve quelque chose, on va regarder sur la map. Oui, vous êtes pressé que je fasse le bruitage du téléporteur. Oui. Débris planétaires, ok. Bon, ben go. Température ambiante, 27 degrés Celsius, biomarqueurs nominaux. Alors, il est où mon marqueur ? Lui il me dit c'est pas là, ok on va se faire une autre mission, ça doit être une mission secondaire, c'est pas important qu'on la fasse tout de suite. Hop là, et là on est aware puisqu'on est dans le bon endroit, avec les bons éléments. Et cette nouvelle créature en forme de... je vous laisse libre de l'interprétation hein, de cette armure qui quand même... on sent qu'elle est sortie de quelque part. Witch. Je fais changer de ce que j'ai dans la main parce que ça me perturbe à chaque fois ces étrons. Alors je suis pas loin de quelque chose que je ne vois pas. Ou qui ne m'est pas accessible. Ou qui doit être bien là-haut. Là-haut. On va faire le tour en touriste. Hein. Ça passe là? Ouais. Oui, ben, chiffrer, ça n'empêche pas que ça change rien mes petites affaires, mon ami. Est-ce que j'ai des potes, là? Ça va, hop, petite malaise, je crois qu'il a fait. Des gaz, sûrement. Hop. Il faut pas confondre le double saut, le simple saut, ça peut être pas très pratique, des fois. Alors là, faut que je saute avec mon grappin. Faut que je me rappelle qu'il est sur ma gâchette droite, je pense, j'espère, très fort. Ouais, c'est ça. J'ai un truc à gauche, c'est quoi? Je ne peux pas le scanner. Je suis déceptionnage. Vraiment. Et du coup, j'ai aucune idée de ce à quoi ça sert, mais on va pas manquer de s'en rapprocher pour avoir plus d'indices. Ne tombe pas dans le vide, mon ami, ne tombe pas dans le vide, s'il te plaît. C'est ce que je disais. Oui. Ça va aller, merci mon drone. C'était la gâchette gauche. Cette blague n'était pas drôle, mais alors pas drôle du tout, quoi. Il y a un passage là-bas. Bon, ça, on doit pouvoir tirer dessus. Les racines de ces lianes-là sont magnétiques. Avec un grappin amélioré, tu devrais être capable de les utiliser pour te déplacer. Les cartographes cherchent présentement la recette pour améliorer le grappin. On va voir ça de plus près. Pour peu qu'on y arrive. Oula, c'est la fête là-dessous, dites-moi. On ira plus tard, hein, si l'opportunité se présente. Pas d'où tu sortais toi, mais tu m'as tout englué, ça c'est sûr. Mon chemin a l'air plutôt correct. Oui, je mets 2 heures, mais j'ai pas envie de retomber encore. Je pourrais aller là, mais j'irai pas. Quoique si, il y a un nouveau matériau, dites donc. Là, je peux pas mieux. Grappin. Non. Ça. Regarde. Hop. Ploup. Plus rien à foutre. Tant que j'aurai pas mon grappin amélioré, je peux toujours me gratter. Oui. J'ai déjà scanné ça? Ok. On va aller par là-bas, voir ce qui se passe. Plop. Oui, très important de faire les plops à chaque fois. Oh là là, se balader sur tous ces îlots là, ça va pas me détendre en tout cas. Je vais peut-être tracer l'objectif premier. Lui, il veut absolument que j'aille là-bas. Ouais, non, on peut contourner par là, j'en suis persuadé. Une fois que t'es là, tu pleures. C'est un plan de grappin, hein. Ok. On va mettre une plante tout de suite, hein, ce sera fait. Plop. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent total. Est-ce que je peux aller jusque là-bas? Ça c'est... Non, 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 là ça... En plus j'ai un pote non-œil là-haut, dites donc. Et alors je vous rappelle que les non-œils... et que j'appelle non-œil furieux, mon petit nom intime, ont pour particularité de s'énerver très vite et de balancer des grenades de partout dès qu'ils vous repèrent. Donc mieux vaut pas que je sois repéré. Qu'est-ce que je fais là, moi, du coup? Je pourrais essayer d'aller sur ce truc-là, allez. Du calme. Pourquoi celui-là crève pas? Si, ça crève. Une bonne créature, c'est une créature qui crève. Je vous le dis en vérité, mes amis. Ah, pff, on va prendre le plus simple, man. Tu vois, parce que celui-là, je... Pff, mieux. Mieux. Même s'il a pas l'air mieux, mieux. Là. Glups. Je regarde pas en bas, hein, c'est volontaire, vous savez pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et là. Hop. Il y en a un qui m'a bien tiré dessus, là. Le petit rose a pas l'air commode. Bouge. Et il tire de l'acide, lui, je crois. C'est bien ça, c'est de l'acide. Je reconnais l'odeur. Comment ça, il n'y a pas l'odeur dans les jeux, quoi? On m'aurait menti. À moi le miam. Il en reste un? Non, ça va aller. Alors, il faudrait que je fasse fondre l'ombre de ces trucs, ok, qui me permettront de faire quelque chose. Le faire fondre avec quoi? Vous m'en demandez bien trop, les amis. Avec ça, non. En tirant dessus, pas plus. Il doit bien y avoir... Cette plante, elle va bien finir par servir. Salut. Je veux bien. Je veux bien ça. Todo bien. Donc en fait, en mission secondaire, je dois avoir de réactiver toutes ces pompes qui ne sont pas dégueulasses. Est-ce que j'en ai une autre dans les parages? C'est tant que je m'en inquiète. Alors j'ai ce gros truc en ambre. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, la grosse envie de... Mais non, voyons. Mais non, t'aurais besoin d'acide pour... Des trouvailles fossilisées, je t'en foutrais, moi, des trouvailles, tiens. J'ai même pas scanné les champignons. Toi, je t'ai déjà scanné. Et toi aussi. C'est un non-œil, ça? Bah, ça fait rien. Hop, on va continuer de flinguer. Tranquille, notre ombre. Tel un bon voyou de l'espace. Apparemment, c'est pas ça. Il faudrait que je trouve un... Ah, si. Mais ça m'a rien lâché. Étrangement, tristement. Bon, un coup pour rien, tant pis pour moi. Je suis arrivé par quel côté, moi? Oula, par là-bas dessous? Ça va pas être la fête pour moi. Et par quel côté je pourrais me barrer? Oh là là, tout ce qui reste à escalader. Je veux pas y aller. Non. Non, je ne dirais pas que j'adore. Ça me met les foies, ce truc. Il y a un passage par là, est-ce que j'y vais? Ça va me remettre à mon point de départ ou à un autre endroit? Pff, on va aller voir, la curiosité est un vilain défaut. Il faut bien que je m'en serve, c'est la gâchette gauche, faut juste que je me rappelle. Ah. Il va y avoir un truc là-haut. D'accord. Ça, je peux pas tirer dessus comme un malade et patin couffin. Non, parce qu'il y a quelque chose là-dessous, au-dessus, et il veut pas trop que je le vois. Nah, ce truc. Hey, zoom. Vous voyez? À me voyer. Donc un petit bonus, mais il sera pas pour moi aujourd'hui. Poussez-vous les pioups. Je ne réponds rien. Je suis en mode je tire. Alors, il est étrangement généreux sur toutes ces choses-là pour se booster l'endurance. Ça présage pas le mieux, en fait. Bah alors, t'es tout seul malheureux, toi? Oh, oh. Une issue à gauche, il n'y en a pas. Et je suis revenu à mon point de départ. Non, même pas. Cool. Je redoutais un peu ça. L'agencement de la map est assez fabuleux quand même. Parce que... avoir cette maîtrise des zones que tu peux... auxquelles on peut accéder en 3D... tout en verrouillant certaines d'une manière quasiment naturelle, c'est du gros boulot, c'est bien foutu. Alors là-bas, j'ai Cacaland, hein, c'est la terre des cacas. On va pas y aller tout de suite, on est propre. On va se balader sur les champis un peu. Bon, je vais raconter ça ce soir. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Bah, je me suis baladé sur des champis. Ok. Ok, LM. Pas tarder à avoir une champi blague, moi. Alors il y a un autre truc qui est assez dingue, c'est que le design super cartoon du jeu, bah, finalement on s'y fait très rapidement, et on est complètement dedans, on n'est même pas choqué par les couleurs chatoyantes de partout, c'est un truc de dingue. Alors il y a un coffre ici, pour l'ouvrir il faudrait que je fasse de la misère à ces champisburg. Merde, je me suis couru avec le scan. Ça se scanne pas, zut. Ouais, pour ce truc qui s'enroule. Bah oui, il y a les noneuils, voilà. Un de moins. Le second, où qu'il est? On est là-bas. Ouh, j'ai pas le temps de... J'ai des hostiles. Alors Houston, j'ai des hostiles. Bizarre alien life forms are out to destroy Earth, and you're the Star Warrior who takes them on. Zexis, with adventure, maze, and shooting stages, all in one video game. Zexis, Space Spectacular. Look for it today. By Hudson Soft. For Nintendo. On va aller voir ce qui se trame là-bas. Et tant pis pour moi, je reviendrai là pour mon bonus. De toute manière, je le rappelle, les tableaux sont faits comme du Metroidvania. Donc ça veut dire... bah, on vous invite à vous balader. Je vais me mettre un gadin si je saute là. On va la faire soft. Hein. Ouais. C'est raté pour le soft. Je suis pas mort. C'est la plus belle nouvelle depuis l'invention ce que vous voulez. Oh le boiteau, ce que je me suis pris. Alors mes augmentations du coup me permettent de me prendre des plus gros gadins. Et ça c'est quand même une chouette nouvelle. Non, c'est l'autre. Nerd. La nature est tellement bien faite. Alors ça faut pas trop y respirer. Ok. Je peux prendre des trucs dessus? Non. Non. Ok amigo. Pour l'instant je fais ce qu'on me dit bêtement. Ploup. Alors quoi faire avec ce machin? Plus que de la bonne volonté pour escalader ce mur là. Les cartographes ont identifié un gisement de gaz liquide instable à proximité. À ta place, j'irai en extra si jamais tu veux améliorer ton propulseur autonome. Ok, d'accord. « 413 mètres, je suis pas à côté. Hein. Alors, je sais pas si je vais pouvoir y accéder par ce côté. Ça me semble... loin d'être évident, vu le bordel de la topographie. Et j'imagine sans peine des trous sans fin qu'il doit y avoir. On est un explorateur, on n'a jamais peur. Allez, feu. C'était peut-être pas super prévu pour, mais je suis très content de mon raccourci. On va continuer de tracer. Alors c'est vraiment un endroit de la map que j'ai pas exploré ça. On va éviter de contrarier ces bestioles. Et on va passer où on peut. Tout bonnement. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je vais aller voir. J'ai rien senti. Alors faut faire gaffe, ça c'est les trucs à grenade. Ça peut servir, mais ça peut desservir également. Un nouveau téléporteur. Joie. What? je crois que j'ai une mauvaise nouvelle là qui arrive. Aïe 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 aïe, c'était ça la mauvaise nouvelle. Je vais faire mon petit tour réglementaire d'abord, ça m'intéresse plus. Il y a ce truc là où je peux pas y accéder. Alors pourquoi il y a des plantes qui me permettent de faire fondre de l'ombre ici? Pour pouvoir flinguer ces bestioles? Peut-être. Ah ouais. Je me balade, je me balade. Ça c'est pour remonter sur la zone d'où j'arrivais. Ok, ok, ok. Bon, on va prendre le téléporteur. Est-ce que j'arriverai à parler ? Je vais chasser des matériaux bêtement et puis je vais essayer de me manufacturer quelque chose pour être heureux, parce que qu'est-ce qu'on attend pour... Chaque fois je me gourde tout, c'est moche. Fous de moi celui-là. Next. Il est à moi, cet alliage, il est à moi. Je suis joie. Est-ce qu'il me reste des choses à faire dans le coin? Plus grand chose, je pense. On va aller utiliser ce téléporteur et puis voir ce qui se passe pour ma carcasse. Ils sont rigolos comme Queen, ceux-là. C'est incroyable. Et puis il s'arrête jamais. Hein. Alors, abîme pourrissant. Ou au javelin. Bon, on va retourner au javelin, que pardi. Tu peux fabriquer une amélioration, si ça te tente. Un peu. Aujourd'hui, on veut rappeler à tous nos explorateurs privilégiés qui sillonnent le cosmos que Kindred Aerospace fête ses 25 ans! Nos activités se sont diversifiées, mais on n'a jamais perdu de vue nos valeurs. On se consacre toujours à la préservation et à la promotion de l'humanité dans tout l'univers. La Terre a beau être magnifique, il faut continuer à élargir nos frontières si on veut avoir une chance de survivre aux innombrables cataclysmes qui nous guettent. Si on a la chance de découvrir de nouvelles planètes, on pourra continuer à évoluer, libérer des situations irréversibles ou des pénuries. La Terre a ses limites, mais l'univers, lui, il est infini. C'est pourquoi on célèbre pas juste Kindred, mais aussi toi! C'est le moment de se lâcher lousse! Et on y retourne, on a joué à la bonne humeur. Donc il va me rester quoi d'intéressant? Le toujours plus haut, qui est très très important. Inspecter le sanctuaire. Il faut absolument que je trouve cette amélioration, sinon je vais être coincé. Allons-y. Alors les plus attentifs auront remarqué que sur le précédent téléportage, je n'ai pas fait le bruitage et c'est mal. Je vais donc en faire deux. Température ambiante, 33 degrés Celsius, biomarqueur amino. Alors maintenant, sachant que je peux trimballer des grenades sur moi, je vais être une véritable arme de guerre. Au-delà de toute fouille. Sur la marche, monsieur. Moi, je me la sens bien, là. Vous me direz après, hein. Eh, pas mal. Je me retiens de tirer de partout, mais... Ah oui. Excellent. L'imprimante 3D peut maintenant imprimer les améliorations de ton propulseur. Eh ben, on va y retourner, mon ami. Alors... Oh, vous avez vu ce qu'il y a? J'aurais peut-être pas dû tous les tinguer. J'espère qu'il en reste. Ce serait moche s'il en reste pas. Mais comment je les balance là-haut? Et j'ai pas de bouffe? Ah, tant de problèmes, si peu de solutions. Et ouais. Parce qu'on se connaît, nous. On a une vieille histoire qui est dans le deuxième épisode de mes aventures dans la planète sauvage. Et où, franchement, j'avais beaucoup ri avec cette bestiole. Donc l'idée maintenant, ce serait que je leur mette un trampoline là-devant. Mais j'en ai plus. Non. Par contre, j'ai des grenades. Et c'est tout. Et ce cacamou. Donc c'est pas du tout adapté. Est-ce qu'il digère les grenades, lui? Petit. Ça lui fait que dalle. C'est bien là, non? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a plus. Moi je le dis tout de suite, il n'y a plus. Finito. Et finito. On va aller voir là-bas. Si j'y suis. On ne sait jamais. On l'a bien rattrapé celui-là. Avant qu'il charge lui. Ah, charge. Oui, mieux vaut lui que moi. Il y en a encore un là-haut. Plotch. Comment ça je suis parfaitement immonde avec cette pauvre faunie innocente. Oui. Ah, gaffe à Nonoï. Si Nonoï s'énerve, je le rappelle. C'est plus de grenades ininterrompues. Et avant d'aller lui faire coucou, je pense que je vais faire d'autres choses dans le coin. Notamment aller explorer cette grotte qui a l'air parfaitement accueillante. Et il ne manquera pas de me dévoiler un téléporteur, je pense, là-bas. Tomber l'ombre, et là-bas derrière je sais pas ce qu'il y a, mais ça va être une bonne surprise, je sens. Tiens, c'est quoi ça? Et c'est pour ça qu'on vaccine nos enfants, c'est de la science, ça marche. Ordonnons-nous pour pouvoir péter cette porte. Oh super. Oh là. Je sais pas ce que j'ai pris mais c'était pas terrible. QA. On veut pas que j'aille ici. C'est vraiment super pas sympa. Alors, il y a quelque chose dans le coin mais je sais pas ce que c'est. Ni où c'est d'ailleurs. On va aller voir là-haut si j'y suis. Ça n'a pas trop de sens à mon goût. On va éviter. Et par contre, je vais faire le plein. Ok, merci. Bon, on tient une petite comme ça pour dire qu'on arrive. Non, je la garde pour après en fait. Ce sera bien. Ils sont pas très méchants, ça. Je devrais arriver à m'en sortir tout seul comme un grand. parce que ça, j'entendais un truc bizarre. Non, ça n'a pas appelé la cavalerie, c'est juste mon objectif qui est rempli. Ce serait bien. Ah, il y a un truc là-bas. J'adore tirer dans ces machins. Il faut pas, mais j'adore le faire. À chaque fois, ça génère beaucoup de blagues. Il y a un côté random qui plaît beaucoup, comme quand on est enfant et qu'on vous dit touche pas, puis vous faites mmh. Puis on vous redit touche pas, puis vous faites mmh. Puis à la fin, dès qu'on voit plus trop, ben voilà, et il se passe pas ce qui était prévu. Je sais pas où je monte, mais je monte. Hein. Pardon. Désolé. Moi c'est belle cascade naturelle, ou presque. Il y aura un point là pour monter, que je ne vois pas. Bah oui, clic clic. C'est nouveau ça. Ouais. Ils ont l'air en souffle. Où c'est que je fais un petit point d'amarrage? Ah bah j'ai ça pour monter, que diable, regardez. Et plop. Et on y va. Oh. Et là je peux choisir mon destin. C'est bien compliqué. Alors oui, j'y reviens, l'aménagement du tableau, c'est vraiment du state of the art, hein, comme on dit. Vous êtes là, vous vous sentez vraiment, vraiment paumé, c'est pas du pipeau. Un boss là-haut. Mais je sais de source sûre que ces petits robots-là sont programmés pour ressentir la douleur et la peur. Une graine, faut vraiment pas que je la merde celle-là. Le plus sage là c'est très près, là c'est peut-être un peu loin, mais c'est ce qui me semble le plus raisonné. Go, parce que l'esprit est plus fort que la peur, j'en doute pas. Merci à toi Dune. Je fais de ça avec un shoot direct. Parce que je suis le roi des colons, et donc le roi des colons. D'alu, si ça c'est pas magnifique. Alors je sais pas du tout où je suis dans cette zone que je viens de découvrir, mais on va pas manquer de m'informer dans pas très longtemps je pense. Et pour l'instant j'ai que des gentils quasiment, ça va, ça se passe bien. Et un téléporteur de plus pour Bibi. Alors on est dans le réseau de téléporteurs, ok. Est-ce que j'ai un intérêt à utiliser le téléporteur? J'ai un truc à 2 mètres, bah c'était ça. D'accord. Et l'autre truc est à 81 mètres. On va aller jeter un oeil. Si c'est pas tout en contrebas. Je tire comme une baleine, comme une patate, comme tout sauf. Monsieur West, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, hélas. C'est le docteur Loveless qui doit être content. Non, eux, on va pas les ennuyer. Parce que ça va être inutilement long. Je sais pas ce que c'est, ça. Ça va bouger. Et arrête de bouger, man. Je peux pas te scanner. Qu'il est con. Ok, maintenant je saurais ce que c'est. T'y scannes pas, ou alors t'y scannes quand c'est mort. On va se balader un peu. Oui, vous savez bien que je fais super bien. Kaboom. Oh. Il va péter là, il va péter. J'avais prévu. Oui, je suis le roi des colons fouteurs de merde. on le connaît dans tout l'univers et quelques dimensions parallèles, rien que pour ça en fait. Vous, je vous laisse, vous êtes cool, hein, on va dire ça, vous êtes cool. J'ai pas besoin de l'ombre tout de suite, enfin du truc contre l'ombre, j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais me focus un peu sur ma boussole là, histoire de voir ce que j'ai à faire comme mission dans le coin. Et je pense que je vais pas tarder à crever, je sais pas pourquoi. 14, je suis là. Une baffe, ce célèbre. Le minerai cristallin de ce sanctuaire a été brisé en morceaux. Si tu utilises ton scanner, tu devrais pouvoir retrouver les fragments manquants. Vas-y, l'aventurier. Il y a encore des fragments à récupérer. Utilise ton scanner. Je sais que tu peux pas te retenir. Allez, vas-y, sinon je vais répéter exactement la même chose avec exactement le même ton jusqu'à ce que tu le fasses. Ok, il me donne des indices, donc hop, reste dans cette vue pour trouver les morceaux qui manquent. On y go. Ah, mais quand je cours, ça l'enlève, c'est dommage. Puis du coup, les ennemis apparaissent différemment, donc on peut se laisser distraire. Ça, c'est beaucoup trop dense et touffu pour qu'il n'y ait pas un bonus. Tiens, on le voit de là. Crunch. Ah ouais, ben. Ne tournez pas autour les machins, parce que c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Oh, je sais pas où c'était, mais... Oh. Oui, barons, courageusement. Il y avait une stanée de menaces volantes, d'hostiles menaces volantes qui me voulaient du mal, je crois. Je sais pas du tout où je suis, il y a un coffre, je l'ai déjà ouvert. What the what? Petit blagueur, va. Attention, t'as deux hostiles d'un coin. Oui, je vous avais dit que je commençais à prendre l'accent très rapidement. Oh là là. Ça, c'est check. Oui. Une ressource est une ressource. Je ne laisserai rien. Mais absolument rien. Je suis la pince. Alliage extraterrestre. Ça n'empêche pas que je me suis éloigné totalement de ma mission de base où je devais retrouver des fragments de Startefact alien un peu zarbi. Et que là, je dois en être à perpète. On y retourne. Alors on va s'enlever cette vue, parce que je peux pas courir avec, ça c'est pénible. Et ça c'est quoi? Alors, tiens, allez, voilà, je peux les scanner ça. Oh la tête. C'est toi qui m'as tiré dessus tout à l'heure, je te reconnais très bien. Baf. C'est bon de baffer dans les jeux quand même, faut avouer. Et où se trouve mon bonus que je cherchais, et que je continue de chercher d'ailleurs désespérément? Pousse-toi toi. Il était par là. Ouais. Le truc allait là-bas. Oh, foutez-moi la paix, les machins. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer comme malheur encore ici? Il va falloir que je songe à couper le stream un jour ou un autre. Parce que on a fait 1 heure déjà. Alors, heureusement, il y a du montage pour vous. Vous avez cette chance. Au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Ou qu'il était pas content lui. C'est un peu la loterie. Pas à bout portant on a dit. Ah, j'avais prévenu, hein. Personne m'écoute. Ah, lui il va me gonfler. C'est un peu par là-bas, on va lui mettre une comme ça dans sa figure ou dans ce qui ressemble de... Oh, j'ai raté, c'était échec. Piti, 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 où t'es? Garnement, putain, je rate à chaque fois. beaucoup anticiper cette fois. Voilà. T'es moins le malin là maintenant. Petit con là. Je vais finir de récupérer les trucs qu'il y a à récupérer. Hein. Une fois que c'est un peu le supermarché, ça me donne un peu de tout. Non, non, pas des bestiaux comme ça. Oula, il y en a une troisième. Ah, elle est où? Où qu'il est, le bébé? C'est fort, bah. Et une petite dernière pour la route. Entre gentlemen. Et là, je gagne. Le truc qui couine, qui fait trop rire à chaque fois. Je vais le laisser parce qu'il me fait mourir de rire. Qu'est-ce que c'est? C'est un bon début, mais je vais avoir besoin de plus d'échantillons. D'accord. Bien. Alors, je vais vous annoncer aussi une autre nouvelle, c'est que c'est probablement mon dernier stream pour vous faire voir Journey to the Savage Planet, puisque je suis en train d'intégralement vous le spoiler. Et c'est quand même triste, parce que vous avez vu comme on rigole quand on découvre des choses. Donc, il y a peu de chances que je continue de le streamer. Et je vais peut-être continuer d'enregistrer les émissions, hein, ceci dit. Mais pour pas vous gâcher les faits, je vais vous laisser vous-même trouver... explorer le jeu et trouver les différentes choses qu'il va falloir trouver dedans et vous marrer un bon coup quoi, parce qu'on est venu là pour ça, mine de rien. Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais quand même. Vous avez vu ça? La témérité ça paye? Pff, pas tant. Bien joué. Oula, vite. Alors il y en a d'autres. Ah, bordel, ils sont... Faut pas que je me casse la gueule en prime. Je sens que je vais crever en pas loin. Se passer. Faut que j'aille là-bas? Non, pas envie. Alors le truc, vous commencez un bout de mission et forcément vous enchaînez sur une autre derrière parce que bah, ce serait trop simple sinon. Je suis sûr que je suis pas très loin de Noneuil là. Je sais pas pourquoi mais j'ai pas très envie d'y aller. Regardez-moi ce gros truc là-haut. Pas moyen d'y scanner. Je suis sûr que c'est de la matière noire ou une kryptonite ou quelque chose d'assimilé. Et il y a quelque chose là-haut encore. J'arrive même pas à tirer jusque là-bas. Quelle dèche. Alors, voyons voir. Je suis ici. Les autres sont là-bas. Il faut que je continue à monter un poil. Si c'est possible. C'est pas garanti, mais... Ouais, non, c'est même pas garanti du tout. Mais je ne désespère pas. Oui. Tout comme la vie dans Jurassic Park, je trouverai un chemin. Regardez-moi ce Bronx organisé. Est-ce qu'on se laisse là les amis ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire le montage derrière, donc il y a beaucoup de choses que j'ignore, de paramètres qui me sont inconnus et... Mais ça c'est une arène à boss quoi, c'est obligé. Ça se voit, c'est accueillant comme. Et j'ai une folle envie d'y aller. Vous voulez me voir mourir? Soit. Je vais vous exaucer. Hein. Il y avait une forêt verdoyante ici avant que les champignons viennent coloniser la place. Donc vous avez tous compris que si je meurs dans cette arène, ce sera... exclusivement, uniquement pour vous. Regardez comme ça a l'air sympa. On dirait que ces parties génitales se trouvent au bout de sa queue. S'il fallait le tirer, je sais ce que je vise. Il s'en fout, hein, tant que je suis pas rentré dans son arène, là, il grignote, il est peinard. Et je pense que quand je vais descendre, allez, on va crever là. Ouais, je vais me le faire d'ici. Oh putain, comme il trace. Je pense que quand il tire, il doit pas faire semblant, lui. C'est de la pure folie, mais j'y vais quand même. J'aurais bien fait durer le suspense. Hein. ok, mais ça se téléporte. Où qu'il est le bébé? Il est derrière moi? Non. C'était pas si compliqué. Hop 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 hop. Oui mais il a les frangins maintenant. À deux, ça va être moins drôle. Ça va être beaucoup moins drôle. Je vais commencer à en baver. En tirant dans le tas, je vais bien finir par m'avoir. Hein. Calmos. Ça, c'est check. Tu vas moins faire le mal hein, maintenant que t'es tout seul, toi. Je te le dis en vérité. Où il est? Alors, je sais pas si le jeu doit être plus praticable à la souris ou... à la souris ou au clavier souris, ouais, au clavier souris ou au pad quoi, parce que les aligner parfois c'est un peu chaud chaud hein. Vous avez vu le temps que j'ai mis parce que oui j'ai une visée qui est hasardeuse et c'est un poil chaud. Qu'est-ce que ça c'est? Ah, charge au sol, donc faut que je prenne mon amélioration qui me permettra de péter quelque chose par là. Ok. Bon, est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce que je vais trouver un téléporteur? Rien n'est moins sûr, mes amaches. Rien n'est moins sûr, je vous le dis. Très bien. Ou alors je vais me poster là-devant, comme ça, prochaine partie, je saurai d'où je repars. Très bien. Ah, mes amis, c'est avec grand regret que je fais une pause donc dans ces streams sur Journey to the Savage Planet. J'espère que ça vous a plu, mais que surtout le jeu vous a plu, plus que les conneries que j'y ai racontées et fait. Et je continue quand même de vous le recommander parce que c'est très très drôle et ça fera marrer autant les vieux que les mômes. Donc profitez-en, ce serait idiot de pas foncer là-dedans. A plus plus, playlist, bouton d'abonnement, Shazam. Et on se retrouve tout bientôt, ciao.